Voilà. En fait, je ferme ici, tout simplement, c'est que j'en ai pas besoin. À part là. Non. Voilà, à part ça, mais c'est tout. Voilà. Ah bah c'est nettement plus beau déjà. Bon, même si c'est un peu moche avec les trous, mais... On va dire que c'est potable. Non, les béquilles, je pense pas les ramener à PGW. Je suis pas sûr. Bon, je verrai en fonction du pied. Ah ouais, quel beau souvenir la PGW, les gars. Je suis trop d'accord. Je suis trop d'accord. En fait, l'énergie, elle fonctionne grâce à ça. Oh, c'est cool. Y a aussi autre chose que je voudrais. Après, l'interface, je ne suis pas sûr où la mettre. Parce que ça, du coup, je peux l'enlever. Ça, je m'en servirai plus tard. Ça voudrait que le groove chamber, là... Faudrait que je passe... Attends, je vais tester un truc. Merci. Déjà, tac. J'aime pas ces blocs là, c'est de la merde. J'ai le groove comme ça. Voilà. J'ai une interface tranquillou. Ok, récursif. D'accord, ok, très bien. Hop, je passe comme ça. Du fait que lui il est alimenté, du coup je suis tranquille. Et du coup, normalement je peux. Ah oui, c'est, je les avais pas mis en craft auto. Ok. Ce qui fait que... Voilà. Donc je les extracte. Et ici je les insère. Voilà, c'est la meilleure façon, plus rentable en fait de le faire. C'est quoi ton mode? Bah mon mode, c'est, en fait, c'est Under IO et Applied Energetic 2 avec du Solar Flux. Voilà. Voilà. Ah bah tu vois Dead. Petit à petit le petit con refait surface. Coco Redix. Oui c'est toi qui appelle le petit con. Bah tu les aimes bien. Voilà. L'interface tranquillement. Tac tac le groove. Donc ça il faudrait que je les mette en craft semi-auto après. Voilà. Oh ça va, c'est plutôt compact, hein, on va dire ça. Cap d'énergie. Ça va, c'est plutôt compact en fait comme système. Je pensais pas du tout que ça serait aussi compact que ça. Ouais, toi t'es le mini petit con. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Mais sinon, ce que je veux faire, sachant que ça peut passer en fait, c'est que bon là c'est du 7 channel. C'est ça qui va me faire chier. C'est que je vais pas pouvoir mettre un autre petit truc ici. Ah bah non, je suis con. Ici je mets l'export. Ça veut dire que je vais mettre que du silicone. Le silicone une fois sorti, bah ça il va rentrer automatiquement ici. Donc du coup, on va dire que je suis tranquille. Ah bah c'est bon. Y'a quoi l'agacy qu'on comprend pas que ça marche. C'est simple hein, pourtant. Bah quand tu comprends bien c'est simple. Au début j'ai vraiment eu du mal au niveau de Applied hein, pour savoir comment faire ça et ça. Mais une fois tout simplement une fois que t'as compris comment se fonctionne la logique de Minecraft hein, donc qui est pas facile, ça passe tout seul. Normalement là, tu vois, je peux demander un proco. Oui, forcément. Non, il me faut un gold. Voilà. Le gold qui se trouve là, il va se faire imprimer. Et automatiquement, il va passer ici. Voilà. C'est fait. Il va réimplémenter là-haut. Donc du coup, quand je vais demander
Le proco, il y sera. Hop, j'ai formation corps. Il me faut l'export, voilà. Un petit piston. Voilà. Et du coup, ici, je vais demander. Pouf! Alors, attention, est-ce que ça va marcher? C'est quoi le réacteur de mécanisme? Je connaissais pas. Voilà, donc 7 sur 7. Lui, il y a une line. Un seul channel là. Là, il y en a deux. Donc j'arrive à le connecter depuis là-haut. Alors je vais rajouter de toute façon des ME contrôleurs. Je vais en rajouter 1, 2, 3. Donc il faudrait que je les fasse d'ailleurs, les ME contrôleurs. Ça m'arrangerait. Pour ça, il me faut ceci, de la Sky Controller. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merde, c'est l'autre côté. Oups. Il me faut 12 Sky Controller. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. Alors un Sky Controller pour la mettre en Sky Stone. L'avantage avec ce mode comme il y a sur Agrarian Sky. Non mais t'inquiète pas, je vais pas voir Alex Flick hein. C'est qu'il me faut un barrel et il me faut voilà ceci. Hop hop. Donc tac. Voilà. C'est comme ça qu'on fait de la Sky Controller. Non mais... Alors ça burn hein. Ça peut prendre feu le... Bon, bah ça prend le feu le bois. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la Sky Stone sur Agrarian, c'est avec la lave. Hop. D'accord, t'as ton passe de jour, ok. Et moi j'ai le passe toute la semaine. Non. Donc du coup, silicone, ça. Faut que je fasse cuire ça. Bah à la base, moi je devais y aller en fait samedi ou dimanche, en fonction de ma forme. Mais en fait, on va prendre carrément toute la semaine pour Paris. Voilà. Attendez, je regarde juste un petit coup mes tweets. Pas mal de nouveaux follow. Allez, plus que 19 followers sur Twitter et on est à la barre des 40 000. Ouais, trop grosse célébrité. Ouais, je suis trop d'accord. Voilà. Alors du coup, là, ce qu'il me faudrait maintenant, c'est... 1, 2, 3, 3 x 4, 12, ça veut dire 3 diamants. Forcément, j'en ai que 2. Hein. Voilà. Alors, 3 diamants là. Comme si 3 diamants. Ça va là. Donc, tout se fait automatiquement. Hein. Ah, les Advanced, c'est encore en œil. Ah, faudrait peut-être que je les modifie de stuff en. Dans la recette des configs, faudrait que je modifie les AE en RF. Ça pourrait être sympatoche. Voilà. Donc là, ça serait des silicones.
Voilà. Comme ça va faire des silicones tout seul. Alors en Belgique, je ne sais pas. Hein? Et pourquoi... attends. Et puis pourquoi tu sais mettre autant d'objets dans ton système Applied? Comment ça, plein d'objets? Au niveau des canaux ou tout simplement les items? Ou le compact? C'est le compact à force de persévérer. Parce que tu peux demander à Redix, hein, dans son réseau Applied, lui c'était plein partout, surtout sur FTP4. Puis je suis venu et puis j'ai libéré facilement une trentaine de canaux. En un seul clic. Ah! Ah si, tout simplement, c'est des 64K, des 16K et des 4K. Donc, du coup, je peux mettre un nombre super cool. Et surtout, la chose qui est bien, c'est qu'avec les 64K, maintenant, je peux faire des 256, du 1024, du 4096 ou du 16384K. Donc, tu peux mettre facilement 20 millions de cobol dans une disquette. Facilement, hein. Ça manque quoi de beau? Bah, trop rien en fait. J'ai juste en train de compacter Applied. Donc, c'est assez chiant. Après, il faudrait que je fasse un peu de Tomcraft aussi. Donc, ça, on y reviendra juste après. Une fois que la Skystone est faite, tac. Oui, j'en ai trois. Du coup, alors. Bon, je mets ça là, je mets là. Voilà. C'est quand même mieux. Surtout là, bah, ça passe à 4 channels, tout simplement, c'est que ça passe au-dessus des interfaces. Donc l'énergie se transmet partout là actuellement. Et ça, c'est cool. Ah, c'est pas que c'est cheaté en fait les 16384K. Si t'as vu, il faut en fait 3 fois 64K pour faire un 256. Pour faire un 1024, il te faut 3 fois 256, donc c'est égal à 6 fois du 64K. Là, c'est égal à du. Si vous 18, ça fait 18 64K. Et là, juste encore au-dessus, c'est 64 fois 64K. Que bon! Hein, on va dire que derrière ça suce quoi. Qu'est-ce que je pense de Curse Launcher? Curse Launcher il est super bien, franchement je préfère Curse Launcher comparé aux autres launchers. Sérieusement. Les blocs qui s'allument, c'est tout simplement que sur chaque face tu pourras mettre 32 canaux. Voilà. Et j'ai réussi sur Agrarian Sky à obtenir le The Achievement qui est 2048 channels dans un réseau Applied. Donc 2048, il faut vraiment y aller. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Passer un câble de base, vous avez jusqu'à 8 channels. C'est-à-dire 8 interfaces comme ça, par exemple. Ou 8 interfaces là. Celui-ci, vous pouvez en connecter 32. Donc c'est déjà pas mal. Et comme si vous voulez en avoir 33, il vaut mieux passer par un ME contrôleur. Parce que lui permet d'avoir sur chaque face 32 channels. Donc 32 ici, 32 là, 32 là-bas, 32 là, et ainsi de suite. Vous pouvez monter du 7 par 7. Voilà, à chaque côté, vous pouvez faire du 7 par 7 en contrôleur. Et vous avez des infinités après comment? De channel à faire. Après, niveau de ça, c'est que ça consomme l'énergie. Plus t'en mets, plus ça va consommer. Et derrière, il va falloir sans doute un réacteur pour alimenter tout ça. Pour l'instant, ça fonctionne au solaire. Quand il y a l'énergie pour, hein, parce que là, bah, l'énergie est en train de tomber et j'ai que ça. Alors, quand tu imagines le réseau à plate que j'ai eu sur Agrarian Sky, il m'a fallu un réacteur derrière. Bah, tiens, tu vois, j'ai plus d'énergie. Voilà, j'ai plus d'énergie parce que j'ai pas de dimensional transceiver derrière. Donc, vois-tu, ça tombe très très vite. Peut-être ça va reprendre là du coup.